Ba papa, ba maman, mbote na bino, sango malamu ya mwe omoni na mesa, ba visa kili kili, wenze ya ba visa nde, agence smart consulting, bosa na biso confiance na $500 ya pamba, ozo matavion, ozo kende Turki, te meza te bino bozo mona, ba visa ya mwe tandami, kutu mususu, ezo ya deja ba visa ya mwe, awa tuzande na lizi ba ya ba visa, boya ebele bosa na biso confiance, na $500 ya pamba na smart consulting ok no Turki. Bon, but no so was a doute, pas doute te. Awa, na agence smart consulting, is an assurance, is an rapidité. Oh, zola na camarade, cousin, cousin, is a blague te za no to te, ya réalité. On a fait un check doute le roi yo, le check paiement à mon l'arrangé, on s'est retrouvé dans deux semaines, on a dit ma papier yo. Check vraiment agence smart cosmétique mouvement l'équipe en Thomas talandenge ba visa ici et quoi et belé à en agence de voyage smart consulting na $500 ya pamba ok na yomboka papaya peuple congolais mbote na bino tous les cas qui déjà mal à l'ibosso ou les deuxième fois tous les cas les sous ba visa ya moyo ya tout visa ya Canada la fois passé tu vois qu'ils aient pour la Turquie les lots ya moyo visa ya Canada $500 ya pamba ozo voyager ozo que de Canada tourne ayo pe Isali les Canadiens smart consulting nous en avons pour Willery $500 ya pamba au voyager au Kenya au Canada au Kikotama au Kik tourisme ozo c'est là au boya et bien à $700 ya pamba bokeyi na bino na Canada merci. Biso, tokolembate kolobati, ba agence de voyage à l'okuta bako pakatambangu, smart consulting, bazabana, smart consulting. Merci, j'ai dit, madame, on a bien eu ceci à Bozali, Bozana Kinshasa, Bozana RDC Mobimba, Bozana un peu partout, topesi bino mbote, tous allés en direct, la Congo va partir à Kinshasa, Bozana n'a pas besoin de satellite, un peu partout, Bozana n'a pas besoin en direct, na YouTube, na plateau de vérité. Boke na YouTube, bo s'abonner, belé, to boi to senga mbongo, bo songa biso, to sala, to somba ba stilo, to sala boi, téléviseur, mo geza exercice aba mandiante, to pesi bino mbote se kanyo so po sale. Na kanisi, na tongwa lelo, José Makila Soumana. Alo baka mbonga l'état ba lia kango soke beli nante, to luka to eba mbonga l'été bela ka nenge nini, e bela ka pete nenge nini. Le ministre Didier Boudimbou a été détenu à Baloko à 1 heure depuis mon collègue à Lobby. Il a été détenu à la Lagina Kitty, la position où tout le monde a photo à François Béat, à la Lagina la table, à la Lagina Mbeto, le rôle à Batonion, à la Lagina Boutou. Mais au moins, le ministre Didier Boudimbou a été ici, mon collègue à Boutou, à Liboso, à Baloko à 1 heure. Et si quoi, puis, Bazar, Koyo, Kaye. Audition et continuer le lot et ça la n'est pas ça la année à la justice de volo corps année à la n'est pas procédé et puis à décider la n'est pas c'est l'élément qu'on soit de relever l'engon et mission abysso et à mon collègue l'assemblée nationale plénière mon cousin le lot autour et à loi électorale le bague lobby loi électorale l'into soit pour être Congo si ma belle élection 2023 tout en a climat mon quoi apaisé. Est-ce que en 2023 on a une élection et que ça les mamans tournent et tournent? N'engue mon réseau qu'elle est là. Bon, ce moment que la politique basali prépare l'élection, tout basali prépare la table ronde. Mon gars, puis na to kaboli bibonga, to kolobelango. Na nous les missions abissoua mukola. Union sacrée na ba candidat gouverneur, boyo kanezalité. Batumusu ba kena justice, batumusu ba panzani, batumusu ba lobby, ba ati du kwe bolingi. Avant de sa autorité, na une union sacrée, en gros, na zosa la bongo, banda qui s'est amoué belé, ba député nationaux, ba tombola ki mongongo, ba boy na bango. Est-ce que ce qui s'est passé avec Bahati Lukwe bon assemblée nationale est affaibli Riete et affaibli AFDCT que à Loki Suko, yoto akomi ko luka, akoma sous na ma pouvoir ma kasi mena li kambo et allé élection et ba gouverneur. Et pourquoi ce qui monte dans la liste de union sacrée? Ou alors qu'il y a quelque part semi à zoboa kabatuana mususu. Est-ce que zo, ils ont fait ça bisso, ma candidature pour le bac senior, ils ont la crédible pour la élection présidentielle. Donc on va ne la paix, ma camboana. Invité mon con à plateau na bisso. À Christ Union surtout la semaine sainte, le jeudi saint,
ba Christ soit catholique mais ses alli kozanga te la misa belé ko banda 18h kozanga te to kende lelo yeso sokola ki ba ko na makolo. Donc moi 3 jours to tambola na alima to tika moi mabe to tambola to banga mwa nzambe mwa mingi to banga mokilte mais to banga mwa nzambe mwa mingi goti se invité na biso mokola lelo na pesi yombote mbote ndeko à la faille, merci pour l'invitation. Bote une équipe technique Mobimba et à plateau de vérité. Pe na ba kongomani ban soba ko landa biso na ngonga oyo. Na kanisi toye poto ka bula makanisi poto ko éclairer ba lanterne ba imboka sur des questions d'actualité oyo eza ko ningisa mboka na biso. Eza ko ningisa mboka na biso intérieur du pays ça va. Bon. Ça va, ça ne va pas. Même ici à Kinshasa, ça ne va pas. Il y a les Congos presque les mêmes problèmes. Nous avions un sérieux problème d'abord des routes presque partout. Et puis politique, il y a Bakambi, Oba, Okamba, province, Angopé, politique, il y a clarté. C'est une politique presque floue. Pour un moment, vous posez la question, mais est-ce que ces gouverneurs, ils ont quand même un programme? Est-ce que ces gouverneurs, ils ont quand même un planning, n'est-ce pas? Il y a gestion, il y a développement, la province, le territoire, le secteur, et pourquoi pas le village. À un moment, c'est comme si tout le monde avait un esprit. À la moukina, tout le monde avait un esprit. À la moukina, tout le monde avait un esprit. À prince. À la moukina, mais il est né de poules, c'est partout. Qu'est-ce qui manque? Ça, leadership, volonté politique, ignorance. À ce stade, j'ai l'impression que c'est le tout. Hein. D'un côté, on a des incompétents qui n'ont pas une volonté politique. De l'autre côté, nous avions des gens qui sont propulsés d'une manière miraculeuse. Dans la tête de la province Sango, ils n'ont pas réellement été élus selon les normes, suivant un programme bien présenté et défendu, et pas... députés provinciaux, et clientélisme d'un côté. Et là, je pense quand même que les provinciaux aussi se rendent compte que rendre vraiment beaucoup de tâches facilitées et que les jours à venir, la population pourra statuer parce que la population Zakumona, c'est la population qui est en train de souffrir, c'est la population qui est en train d'en pâtir. Et les jours à venir, quand on sera aux urnes, je pense que la population sera quand même sévère vis-à-vis de Oyobazo qui est déjà mandat, mais qui n'ont pas pu réellement rencontrer la préoccupation et le peuple. Tu penses que la population a mature les loyaux, la quoi va sanctionner encore conditions sociales naïves, alliés, éléments où ils ont permettre de faire la conséquence surtout la choix naïve. Bon, c'est à prendre à dévoler, cher ami. Rappelle-toi que en 2006, nous avions voté, quand nous, je parle de la population congolaise, nous avions voté Kibudi Kibudi comme Balbananingala, et Babimisana Bato, Bata na qualité Mourote. Or, un honorable, c'est quelqu'un qui sait quand même distinguer la société naïe, et puis pour pécier mandat à Kende Sikoyo pour se distinguer Sikoyo sur l'étendue nationale. Et en 2011, il y a eu sanction. Plus de 80% est élu, ils ont acquitté, renouvelé qui confiance dans Batoua Sika. 2018, c'est aussi pareil. Donc, je pense que à suivre les cycles électoraux, il y a quand même un mouvement. Et à chaque cycle électoral, il y a un peuple qui a eu expérience à Sika, qui a eu maturité. Si tu suis de près, au moins, les sanctions ne cessent de tomber. En 2006, on a voté comme tel. 2011, on n'a pas renouvelé confiance à la députée provinciale nationale et Bélé. 2018, même, on a sanctionné la députée Bélé nationaux et provinciaux. Et même les dauphins du chef de l'État, au pouvoir, il a été sanctionné par la population. Je pense qu'il y a quand même une maturité qui est en train d'arriver petit à petit, mais il ne faudra pas qu'au beau sanapé, n'est-ce pas, donne au tic au soulevé, donne un zala. Parce que, toi, français, tu es un ventre affamé, n'a point d'oreille. Et quand on a tellement faim, on se livre à 2000 francs, à 3000 francs. Mais simplement, c'est ça aussi les rôles que nous, journalistes, nous, leaders d'opinion, nous, observateurs de la société, devons jouer, sensibiliser la population. Mais aussi, j'en appelle aux partis politiques, aussi, de ne pas attendre simplement les élections pour envoyer les témoins. Le moment est arrivé, faire des ateliers, faire des séminaires, sensibiliser la population et demander à la population base à la base Sengeli depuis processus et enrôlement qui nous mokolo yaba urne à vote. Parce que la triche commence enrôlement
ti mokolo eba une. Ceux qui vont négliger enrôlement, baro sabino que non na lingwa la ou bien à Gombe awa, on avait enrôlé 500 000 personnes et pourtant ils n'ont enrôlé que 20 000, 200 000 personnes ou 100 000 personnes. Donc il faudra maintenant que nous sensibilisons la population pour leur dire que les 5 000 qu'on va t'amener, les 10 dollars au PSO, ils ont un bon haut à Ibakio. Et ça, on a dit que nous avons dit que nous avons poste. Mais écoutez, je ne sais pas, Bato Barolanda Bisso, et même vont se faire leur propre religion, mais l'IGF, les gens volent difficilement, mais l'IGF lui-même, c'est déjà un problème. L'IGF pose d'abord problème. Tout ce qui se passe dans l'IGF, quand les gens s'étonnent ou les gens cherchent à comprendre pourquoi il y a des dépassements, mais c'est clair. Quand on reçoit autant de journalistes et on leur donne de l'argent, il semblerait qu'ils ont touché 500 dollars par personne. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ils ont mis la rubrique ni Nimbongwana. Non, mais c'est quand on reçoit, s'il vous plaît, quand on reçoit des musiciens, il semblerait qu'ils ont touché 2000 dollars. Les musiciens qu'on a à recevoir, donc ils sont plus que journalistes. Ils ont touché 2000 dollars des Bayambaki Bango. Et cet argent, basé en la rubrique Nin. Quand l'IGF elle-même et créer structure, cellule mobile de communication, pendant que la loi crée l'IGF, ils ont la cellule de communication. Ces gens-là sont payés, ils sont payés dans la rubrique Nini. Donc ici, moi je pense que l'IGF au départ, ils ont quand même essayé de bien commencer leur travail, mais là il y a un problème. Et moi je ne crois plus à l'IGF. Il y a un moment même la justice par rapport à l'IGF, ça ne marche pas vite. Aujourd'hui c'est l'ANR qui est en train d'aider les pays. C'est l'ANR qui enquête et qui passe qu'avec des preuves, Bakanye Moutou, ensemble, parce que l'IGF, ça ne marche plus. Écoutez, regarde d'abord pendant la lecture que je ne peux plus croire à l'IGF. L'IGF, Isa Moussalamoko collégial. Alinguet, il ne descend pas dans des entreprises pour aller enquêter. Alinguet, il ne descend pas dans des ministères pour aller enquêter. Il envoie des inspecteurs. Mais quand il s'agit des trophées, on remet les trophées à l'individu. Parce que c'est le manager. Non. Non. Les trophées doivent être remis à l'inspection générale des finances. Quand il s'agit de parler de l'IGF, on parle plus d'Alinguet que de l'IGF comme corps. Aujourd'hui, Alinguet a conquéré la média sur le Congo. La média européenne. Aujourd'hui, c'est sur le média américain, comme Forbes, la média d'influenceur. Mais qu'est-ce qu'un OPG à responsabilité limitée à voir avec tous ces grands médias-là? Le travail, il est fait pour les Congolais, pour les Congos. Qu'est-ce qu'il a à voir? C'est le seul administratif au monde. Je dis bien le seul administratif au monde. Qu'on parle de lui partout dans tous les continents. Europe, Amérique, Afrique. Tous les grands médias parlent de lui. C'est le seul administratif. Et pourtant, un administratif n'est pas, n'est-ce pas, à tout moment autorisé d'être en contact avec les médias. Parce qu'il est sous tutelle, n'est-ce pas, il y a institution Songolo Parala, tout le ministère Songolo Parala. Et c'est seule la présidence, parce qu'il va rattacher à la présidence. Seule la présidence peut parler au nom de l'IGF. Parce qu'ils ont service rattaché à la présidence. Mais aujourd'hui, c'est Alinguet qui est partout, dans tous les médias. Et Alinguet tweet par jour 3 fois. Par jour, tweet 3 fois, prédateur, tout ça. Mais attends, je suis un magistrat, parce qu'il y a un OPG. Je suis un magistrat, tu OPG, moi, à la police. Attends, il y a un bateau, il y a un acharnement. Au moins, il y a un retweeté. Au moins, il y a un ma communication. Non, fais ton travail calmement. Tu as des éléments de conviction avec ce que tu as détourné. Kende koti kayango, calmement. Na qui de droit. A qui de droit, ko beng sa moto, na ba sambi sa ye. Bata la véracité, ba document na yo. Bakate le tumbu. Toi, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Et au moment où il commence à faire beaucoup de bruit, c'est là où maintenant, je commence à m'interroger, à me poser une question. Mais pourquoi il veut toujours, n'est-ce pas, qu'on livre un verdict populaire. Parce qu'il n'est pas sûr de la preuve, il y a enquête naïe. Parce que si réellement il est sûr, il y a la preuve enquête naïe. Qui se limite, il y a repris son acquis de droit, parquet, cours et tribunaux, c'est pas moi, ni de soussou. Ben, je vais enquêter, ben, interpeller, moutou. Ici, j'apprends, je vais quand même taire, maquiller le moko, et bien, je vais dire que je vais dans Kinshasa. Dans mon acquis, je vais
bilili ya DG ya ya Transco. Bazu bilili ya confrère na biso Joël Kadé. Babite Joël Kadé aussi. Il a parlé de 60 000, ici on a parlé de 16 000. Mais monsieur, même ces journalistes-là, même ces amis-là qui en parlent, ici il faudrait que tout le monde soit fixé. Que la structure enquêtée ou contrôlée, ils ne sont pas obligés de présenter toutes les pièces à IGF. Ils peuvent se réserver de ne pas lui donner d'autres pièces parce qu'ils ne croient pas dans la partialité. Dans l'impartialité, il y a enquête. Ils se réservent le droit dans la justice. Il y a un rapport à IGF. Donc, c'est tout à fait normal que IGF a ignoré le chiffre Moussousou, peut-être, ou enquêté, tout contrôlé, avant ça qui. Quand eux disent que nous avions avancé 60 000 dollars, donc ils ont des éléments de preuve. Et maintenant, il y a un document, il y a 16 000 dollars. Qu'est-ce que tu as dit dans le parquet? Qu'est-ce que tu as dit dans le tribunal? C'est le tribunal et bien, est confronté sur la pièce à conviction. Non. Donc, ici, pour chiter. Moi, je ne crois plus dans le rapport à Lingeti. Il y a un rapport à 100. Il y a un tu peux me citer un seul mandataire qui est cachot, qui est en prison, pour un rapport à Lingeti. Et il y a un mandataire qui a suspendu pour la. Oh, maman, après ça, Adel Kaïda suspendu. Ça suspend devant pour la nuit. Ça l'a quand même tolé. Et après, la République gagne quoi? Est-ce que j'ai le compte Nabaron? Est-ce que toi, Bazoung, si mon solbaïbaki, est-ce que réellement il y a eu détournement? Arrêtons de faire du folklore. Je serai d'accord avec Alingeti. Le jour qu'Alingeti va nous publier les rapports de la Poste. C'est un agent de la Poste, non? Alingeti était au commissaire au compte, si je ne m'abuse pas. C'est un agent de la Poste. Il a enquêté là-bas. Il y a des cafards dans des tiroirs là-bas. Ah, si quand la justice, bah deux seigneurs soit tiens on a itandoiké. Après ça va communicateur n'est point ni à poste à bomba. Pour bah ça va bim quoi. Rapport à poste. Il peut pas bim célèbre, bah m'a ramené en dossier on attend un commissaire au compte. Bah ça peut n'avoir bat naï. Ah bim sango. Nous attendons à Lingeti publier les rapports parce que enquête est cessée à la poste. Bah enquête à l'entreprise n'y soit tiens en place publique. Bah note d'observation n'y soit. Après ça va communicateur naï. Bah l'obé lango. Bah livre bah mandataire on en avait dit populaire tous ceux de la poste où lui il était agent a publié ça mopé a publié ango poto dimete il est vraiment moto oyo azo salamsala na na kimia nyonso na toute sincérité nous attendons ces rapports et ko bimarate kanga mokola lelo ko bimarate et quand il va recevoir les journalistes jusqu'au point de dire vous savez les PCA de telle entreprise sont mon cousin bah cousin na otoyebi. Bazali. Oh, il n'y a pas de problème. Nasi te loba ndéronae, ngobila, mbaka, ndéroné à maïndombi. Kinshasa chaque jour va te barre au belé là. Enquête qui, regarde rapport, cours de compte et contredire. Cours de compte et contredire, n'est-ce pas, notre observation, y a Lingeti. Et rejeter rapport annuel, y a ngobila. Cours de compte. Mais Lingeti restait bouche bée. La poste, les DG, ouad maïna prison. C'est son cousin, non? Nous attendons les rapports de la poste. Nous attendons. Et ce jour-là, on sera convaincu que Ngobi Alingeti est réellement en train de faire un bon travail. Écoutez, il n'est pas ici question de chercher procès à vengeance, ou enquête à vengeance. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas la République. Ça n'avance pas la République. Écoutez, la personne d'Akisa Mugoke Alingeti Aza. OPG à responsabilité limitée. Alors la magistrat loi OPG news. Aussi oyoka magistrat mokoto OPG moi à la police. A bengisi batonde ba bengisi biso ba jeunesse to bandi ko chama kelele. Acharnement état de droit. Oyoka répondre dans la tweet, toi tini ba communicateur ba répondre. Osoyoka. Mais lui répond pourquoi? Si un politique a le droit de se défendre parce qu'il travaille pour l'opinion. Lui c'est un administratif. Il est régi par des textes. Il ne pouvait que se taire, faire parler ses documents, son rapport et faire parler son rapport, c'est le déposer à qui des droits. Attendre à qui des doigts salamsalanae calmement. Pourquoi lui s'agite? Pourquoi lui il est en train de livrer les politiques dans le verdict populaire? Pourquoi? Il veut gagner quoi? Aujourd'hui, même un petit enfant de 12 ans, Bikombo Alingeti, il s'est fait chanter partout. Il fait parler de lui matin, midi, soir. C'est avec quel objectif? Qu'est-ce qui vous fait peur plutôt? Le fait d'être chanté. Ça ne me fait pas peur, mais tout simplement, je suis en train de vous voir. Vous pensez que conduite naïe, la République va perdre? Écoutez, la République ne va pas perdre, mais la République est en train de perdre. Parce qu'il est en train de ternir d'abord l'image de la République. Il a vendu, n'est-ce pas, une image comme quoi tous les gestionnaires sont des détourneurs. Dans son tweet, contre Twitter, il parle que des prédateurs.
dans son compte Twitter, pas de détourner. Il ne peut pas souhaiter une bonne fête des Pâques. Il ne fait que parler de ça. Et c'est une image qu'il est en train de vendre. Et là, maintenant, il s'est introduit dans tous les grands médias d'influence. France 24, Jeune Afrique, Forbes, les médias d'influence, on parle de lui comme monsieur anticorruption, et voilà, voilà. Et en même temps, il vend la mauvaise image du pays, et lui, il se vend comme, comme quelqu'un qui veut nettoyer. Or, il est en train, n'est-ce pas, Alinghetti, d'appliquer la vision du chef de l'État. Et tout ce qu'il fait, il est fait sous instruction du chef de l'État. Mais il se vend au premier plan. Et nous avions connu l'aide de ses collègues qui est venu avec la bonne gouvernance dans ces pays. Et après quelques temps, il est devenu l'adversaire de Kabila. Retenez. Et suivez mon regard que nous sommes en train d'aller tout droit vers un politique qui va combattre un régime hier, demain ou après-demain. Gauthier, c'est un peu de l'eau dans ton vin. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Union sacrée. Les camarades candidats. Tout le monde est en train de se faire en élection de gouverneur pour la 14 provinces à prendre. Parce que ils ont signé une union sacrée. Vous avez un homme sur le Congo central, on vous présente quelqu'un. Vous avez un rouage politique. Vous avez un collé, vous avez coopté dans la partie Moko. Patati patata, au Kassai, jusqu'au point où certains ténors de l'IDPS qui ont justice contre le parti Nabango. Mais la plupart, il y a bateau, bateau tombe dans mon gong, bateau pointé des doigts, d'un doigt d'accusateur plutôt, président Sénat. Écoutez, non, on peut cet exemple. Au moment où il y a l'hypothèque qui est zoba zoba, ceux qui ont ça l'hypothèque qui est zoba zoba, un moment, et puis ça a couleur, mon robot, et change la forme à tout moment. Parce que ça réussit. Pour mon forme, il faut bien, il faut pousser un pimbin. Tu vois, c'est ce qui se passe avec l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est un bibamba bamba. N'est-ce pas? Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de charte. Les gens ne sont pas, n'est-ce pas, régis dans le texte de Songolo Pakala. Là, c'est la parole du Tout-Puissant qui passe. Et maintenant. Le Tout-Puissant, c'est qui? Parce qu'on a l'impression que le chef de l'État. J'en arrive. À tout petit cabango, va arrive. Ça, là. Maintenant, parce que c'est quelque chose créé sans texte, sans vision. Les gens ont adhéré d'une manière sentimentale. Chacun venait avec ses ambitions. Et maintenant, tout le monde veut faire passer son ambition dans quatre réunions sacrées. Et parce que jusqu'à ce jour, je vous informe qu'il n'y a pas de coordination au sein des réunions sacrées. Il y a des communicateurs de l'Union sacrée. Il y a des communicateurs. Communicateurs, Wana et Zanini. On appelle ça Makasi Namanix, Yenda Oyo Bafundi, Yenda Justice, c'est pas une des communicateurs. Et pas Nani. Bon, c'est une unité, on appelle ça quand même Makasi, c'est un frère à moi. Écoutez, moi je pense que Manix, c'est un guerrier, c'est un monsieur qui croit à ses convictions. Na kanisite ki ba plainte fantaisiste bongo e ko lengi sa ye muto tanyana apota kana ni plainte ba député plainte a suki pa kinede ko confirmer plainte on ba ipsi na roma ko le ka cc na ati na ba ba singa pardon e lelo anga a touché manix ati na na prison il y a pas de problème parce qu'aujourd'hui il est aux côtés des Bahati ou bien aujourd'hui c'est pas moi il occupe quel poste il est agent au Sénat il y a pas de problème mais la route continue à tourner. Et Longonia Namanix, je pense que tu dois encore continuer à croire à tes convictions. La prison est un baptême pour un homme politique. Et si lui pense qu'envoyer un politique ou un journaliste en prison est la fin du monde, il se trompe. Parce que prison est toujours baptême pour un journaliste et puis pour un homme politique. Et tous ces journalistes ou ces hommes politiques qui sortent de la prison après, Zouaranini, ascenseur, il y a. Il y a parcours na bango. Donc manis courage, je pense que ça va guerre d'idées. Les plus faibles va recourir quand na ba pratique à bongo, mais je pense que tu es dur d'esprit avec un mental d'acier. Nous devions continuer ces combats parce que les Congo nous appartiennent tous. Ceux qui ont quitté ma poste et à responsabilité aujourd'hui, hier ils en avaient pas. Aujourd'hui les agents dans le Sénat. Hier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était. Avec ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas MLC. Et hier, il y avait MP, il y avait Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Et demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Donc, on croit aux convictions et non aux individus. Courage, Manis et Kolembaté. Maintenant, l'Union sacrée, c'est ce que je vais vous expliquer. Kizoba Zoba, il n'y a pas de coordination. Qui peut prendre parole au nom de l'Union sacrée? Qui a réellement, n'est-ce pas, les orientations claires et nettes du chef de l'État pour Narutambuissa? C'était pas Kabound. Personne. C'était pas Kabound. Personne.
Au moins, c'était Kaboun qui avait l'accès auprès du chef. Mmh. C'était Kaboun qui a milité avec les chefs, qui savait comprendre qu'est-ce que les chefs Alingakana et l'Okosongolo Pakala. Mais aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui coordonnent, qui semblent coordonner l'Union sacrée, ce sont des Kabilistes d'hier, qui n'ont pas cheminé avec Kabil avec Félix Tshisekedi, qui ne savent pas réellement Tshisekedi, soit à Taliboué, à Ingalubanine. Ceux qui ont sali geste, c'est Bouingigolubanine. Et ils tâtonnent. Et à tâtonnant, ils cherchent eux-mêmes maintenant à se positionner. Et en cherchant à se positionner, ils fragilisent, n'est-ce pas, cette histoire où l'union sacrée autour du chef de l'État. Conséquence, c'est ça, il fallait qu'il y ait l'excuse alors au mois de mars, reporter au mois d'avril. Et au mois d'avril, les candidatures continuent à poser problème. Et comment est-ce qu'ils ont fait les choix au mois de mai encore? Comment est-ce qu'ils ont fait les choix des prétendus candidats? Et les choix, est-ce qu'il y a une primaire dans il y a un regroupement à Bango? Est-ce qu'ils ont consulté les députés provinciaux, membres de l'Union sacrée, pour Bébé Sabango, jeter des volets à Bango sur Nani, où ils veulent faire de la Kabylie, et où ils veulent faire du Mouboutisme, où ils ont une imposition pour imposer leur candidat? C'est ça aussi le problème. Parce que ceux qui semblent coordonner l'Union sacrée aujourd'hui, ce sont les enfants au Baboutami dans la dictature. Baboutami dans la dictature. Ok. Parce qu'ils ont été avec Mobutu, donc c'était des gens, quand Kabila dit A, c'est A. Et ils veulent maintenant imposer, ils oublient qu'aujourd'hui quand même, même s'il y a beaucoup de ratés, mais on laisse quand même la parole à la majorité. Et il faudrait que l'Union sacrée soit d'abord restructurée, premièrement, et des deux, que l'Union sacrée na centre à décision na bango balongo la bana o nyonso bakabiliste mobutiste ba komba tshisekedi selelo ba chanan ba ba ko parce que écoutez, le chef de l'État n'a pas tout le temps de commencer à convoquer les gens pour leur dire ah wana ningarabwe. Non, il faut des gens qui les connaissent, qui connaissent sa lutte politique, comme Bakabunde Bazalaki quand il prenait parole. Et Félix s'est retrouvé dans le Kaboul en déroulant parce que mais est-ce que Bahat a dit Félix Mboso ebi Félix. Mbemba kota kutoba ba bayebani. Bana ba Mobutiste et tout ça, ils étaient ensemble, ils ont eu à faire un chemin, un moment, à tabe ou kabouana na kimukolo. Mais tous ces gens-là, la mère Mende, ebi Félix. Bangouni son a bayebite. Nanandagi moko collègue nabiso mo journaliste, batouni, atanga wapi. Oh, atanga wapi, ba tchele image à président. Il a l'obité, natanga nanga telle place. Donc, des gens aujourd'hui qui veulent se faire passer pour des tisekedis et des sang purs, mais bayebite. Et Bazar veut écarter ce qu'on a vrai tshisekédiste. Et conséquence, et ils sont tentés de tâtonner sur ce que lui aime, sur ce qu'il veut que Bassal ait. Et maintenant, tout ça, ça va retomber sur sa gestion. Ce qui est arrivé dans Kabound, ils allaient un élément qui a perturbé le fonctionnement de l'Union sacrée. Est-ce que ce qui est arrivé dans le ministre de l'économie, qui est situé dans l'Assemblée nationale, ils allaient l'élément qui a eu un froideur dans la relation de l'Union sacrée? Non, mais il ne faut pas dire que Zali Elema, oui, il y a déjà un problème. Le départ de Kaboun, ça se sent. Il y a un grand vide. Aujourd'hui, c'est chaque jour que les Birombo sont menacés. Quand Kaboun était là, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, je vous informe qu'aujourd'hui, Eza plénière Moko sur la loi électorale. Mais qui n'a pas encore? Moi, j'ai parlé avec les élus de l'Union sacrée. Batikali Koreni, Bangotini Basema sous Kaboun, Bapé sa monde d'ordre, regarde ce que veut le chef. Il faut aborder question. Regarde ce que veut le peuple. Personne. Ils vont y aller aujourd'hui d'une manière dispersée. Députés, ils sont en parole. Ils ont en parole. Ils ont en parole. Parce que les élus disent que Mboso a un charisme au Kaboun a imposé l'île Morobo et Batunos Balanda. Mboso n'en a pas. Mboso est d'abord démerdé par Irakan, ce qui est Irakan. Donc, moi, c'est d'abord démerdé par ses propres députés. C'est une première, hein? Un président de l'Assemblée nationale. Je dis bien une première où on a un président de l'Assemblée nationale qui est démerdé par ses élus. Sous Kamer, on n'a pas connu. Bouchab non plus. Obé non plus. Bah, député, bah, les gars, la TV, bah, critique au Bouimabe. Bah, Fundo au Bouimabe. L'émotion chaque jour. Les plaintes, puis la commission de la conseil des sages. La commission des sages. La canicité que. Et Salima Souba président Moussous. Donc ça démontre un leadership faible, Yamboso. Et ça prouve, ça démontre aussi le vide qu'a laissé Kaboun. Parce que hier, Kaboun pouvait taper du poing sur la table, député Bazouina Molongo.
Et tous ces députés se reconnaissaient en Kabound. Tout ça, non, awat. Bah, combattant Bakoloba. Bah, prof, prof, IDP, son ami honorable. Mbatanam Sousouananani. Tchouloum, Bakoloba. Mais Kabound, ce qui a proposé liste na IDP, ça passe. Mais ce que Kabound disait, c'est ce qui passait. Donc l'homme avait un charisme. N'est-ce pas? Il était charismatique. Que Oyolelo, l'Union sacrée, qui peut aujourd'hui porter les fardeaux, il y a coordination, il y a l'Union sacrée. Ce qui se passe aujourd'hui, mon cher ami, il faut qu'on le reconnaisse, le vide de Kabound s'est fait sentir. Il est temps que les chefs de l'État ou que les sociétaires de l'Union sacrée, Bako Kanalomba ou Mingi Kotala, qui peut prendre les leadership. Parce que hier, Kabound réunissait les députés dans le chapiteau. Les députés ne se reconnaissent pas en Bahati. Anecdote Moko. Il n'y a pas longtemps, sous Kabound, ministre de l'Union sacrée, ils allaient trouver un arrangement, les faire partir autrement. Parce que ça, ça fragilisait la majorité. Et vous savez qu'ils se sont réunis dans la tête du fleuve, Premier ministre. Bahati Mboso pour convaincre les élus batika ministre ya économie mais ba député ba binette ils sont allés jusqu'au bout ba ko ici dernièrement ba côté na ba député motionné ba ko tsay motion contre ministre économie Bahati semble que silike libango asilike ba député na fino comment vous êtes dans l'union sacrée bozo ko sa ministre union sacrée vous serez sanctionné il semble ba député ba lobby lo la lobby soube ba légué sous n'étendo iké na top Congo. Bangui va attaquer le ministre du Travail. Ndous. Donc, on se règle des comptes dans l'Assemblée, dans le Parlement, la Bissot. Déjà, il faut ici dire qu'il y a un conflit entre Bahati et Mboso, même s'ils ne veulent pas les dire ouvertement. Parce que Mboso a fait quoi? Parce que ce que l'on dit, c'est son émotion à petit à Mboso. Les députés émotionnaires, là, ce sont des communicateurs de Mboso. Ils communiquent pour Mboso. Ils ont un paiement mensuel chez Mboso. Sans toi les dire, c'est la vérité. Les députés, là, les quelques députés qui ont menacé par des ministres à AFDC, ils sont communicateurs de Mboso. Ils touchent 2 500 $ de surplus sur leur salaire. Ils sont nombre de 4. Et bien, on est à travers le temps où ça me fait. Et ça sent déjà qu'il y a un petit conflit. Bahati s'est livré à un député quand il était à Qatar pour dire que c'est Mboso qui fait sa tête. Mais Bahati serait perdant parce que l'Assemblée a eu vidé ma ministre Nyonso. Le problème ici, ce n'est pas Bahati, mais même c'est la République. Est-ce que nous avons beaucoup de motion, nous avons question orale pour améliorer, n'est-ce pas, conditions à peuple, ou bien nous avons régler les comptes politiques. Parce que régler les comptes politiques, ça ne va rien changer, n'associer le peuple congolais. Il faut maintenant des questions, parce qu'un ministre de l'économie qui tombe, c'est vrai, il a une responsabilité, mais la responsabilité, elle est partagée. Il y a conseil des ministres chaque vendredi. Quand pas des chinchas, 20 millions, flambé des prix, mais ça se négocie. Ok. Dans le conseil des ministres. Le problème, c'est le premier ministre qui est aussi faible. Ça, on doit se le dire. Est-ce qu'il ne faudra pas. Il est aussi faible, ça, on doit se le dire. Est-ce qu'il ne faudra pas ici monter une machine au sein de l'Assemblée pour permettre au chef de l'État à nommer le gouvernement Msousou. Bakoué sa gouvernement, Bakoué sa chef de l'État, Mbano, à nommer gouvernement et à bateau, vrai warrior. Parce que ça, c'est un gouvernement qui somnole. Vous pensez que ça, Maloukonde ne travaille pas? Mais attends. La minute où on a tourné, on a l'évaluation état des sièges. Mais attendez, cher ami, vous êtes où là? On est au Congo. Ça m'a le compte de travail. Gagné sur le marché. Où on a pris à Biloko. Va sur le marché. Et ça m'a le compte de travail. Où nous avions des ministres qui s'entraient dedans. Où le premier ministre, nous avions un ministre du gouvernement. Nous avions un inspecteur de l'administration publique. Qui est en train de s'entrer dedans avec des ministres. Le premier ministre ne sait pas régler ça. Nous avions l'administration publique aujourd'hui dans la rue. Je dis bien dans la rue. Où à Lingeti, avec ses communicateurs, ils font parler même les mandataires des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ils violent même la confidentialité entre clients et services. Et on a un premier ministre là. Nous avions un premier ministre. Vous pensez que nous avions un premier ministre? Où nous avions aujourd'hui des ministres qui s'entrent dedans dans des attributions. Aujourd'hui, le problème des carburants, le problème des stations, c'est plus Mabilou ou c'est Didier Boudimbou.
Et le Premier ministre ne s'est pas tranché, il ne s'est pas les rappeler pour fixer des attributions. Écoutez, nous avions un Premier ministre faible. Samalou Kondé n'est pas à sa place. Et je comprends pourquoi le chef de l'État n'a jamais pris une ordonnance, n'est-ce pas, fixant les attributions des ministères. Non, mais ça n'a jamais été pris. Conséquence, Samalou Kondé, n'a pas ministre, ils n'ont jamais nommé les membres des cabinets. Il n'y a jamais d'arrêté parce qu'ils n'ont pas encore cette ordonnance. Et j'ai compris que le chef a fini par comprendre avec le temps qu'il avait affaire à un gouvernement faible et il fallait un moment qui se donne le temps à préparer le gouvernement et qu'on bimisse en boucle quand même parce que le pays se meurt du jour au lendemain. Le pays se meurt. Koli et Komi Passi, Tomate et Mati, Matungulu et Mati. C'est que Nico Faye, à Star Rambaitando, qui est d'ailleurs un habilo. Les gens pensent que c'est amusant. Mais écoutez, c'est la réalité sur terrain. Et c'est quoi ce gouvernement? À quoi sert les conseils des ministres chaque vendredi? Et j'informe à l'opinion que chaque vendredi, nous achetons des présences. Et ça peut vous voir combien j'étais de présence? Sous les hommes qui ont 1000 dollars. Sous les hommes qui ont 1000 dollars. Chaque vendredi, nous avons 1000 dollars. Et pourquoi? Ils prennent ça pourquoi? Et le conseil des ministres, ils ont l'impact d'une vie au peuple congolais. Nous avons besoin des vrais warriors. Et là, il est temps que le chef de l'État a nommé gouvernement Msusu. Et il est temps que les députés nationaux, ils ont la responsabilité à main. Pourquoi est-ce que le gouvernement Samalou Kondé Pourquoi sa possibilité, le chef de l'État a nommé Premier ministre Yamakasi. Parce que nous avions ici cru qu'il y avait un problème d'âge. Que Sénégal Ilunkamba Akene comprenne un jeune. Mais nous avions compris que la vieillesse ou la jeunesse, ce n'était pas un âge, c'était un état d'esprit. Et là, nous sommes tous convaincus que Sama est plus vieux que Ilunkamba en esprit. Oh. Bonjour Ndeko Trésor, Mbokezo Koufa Nyon Sacré Bazo Monate Nyon Sona Kongo et Komi Pasi Toko Souka Wapi. Merci na Ezan Ndeko Dersi Belongo na Kinkole. Merci Ndeko Dersi Belongo, d'autant que ma message. Salutations à Gauthier, Trésor Kalafa. En tout cas, rien ne marche actuellement dans notre pays. Ah, Ndeko Bino Bozo Monaka Nyon Sousou Tambolate. Et à Malam Bozo Monaka Nyon Morote, Zali. Autant que ma message. Bonjour Trésor, pourquoi beaucoup de journalistes ont commis des soldats à Alingeti Jules, tout le monde de Gotenan? Autant que ma question. Non, mais il faut lui répondre. Il faut que ça soit de Kounabisu. C'est tout à fait normal. Toi, dans le monde, il y a une publicité, une subvention, une équipe. Et il y a un journaliste qui est comment le journaliste a tendance. Soit tu as le pouvoir, soit. Et quand tu veux faire ton travail calmement, sérieusement, que tu as un soubassé. Dans nos longues, les minimums à relier. Bon, on a utilisé bon, ton nom, midi, pourquoi tu te la ramoutou. Information, chaque jour, tu te la ramoutou. Yo, comment ça va, comment ça va, comment ça va, comment ça va. Pourquoi il faut aller sabana, il faut foutre un dakou. Il y a un de l'État, à sa responsabilité, né à main, bah, qu'on organise le secteur, bah, médias, né à presse, oh. Que les médias soient subventionnés. Journaliste, c'est bah, quand même, quelque temps, dans son organe, son nom, par là. Les minimums, bon, foutre un je peux payer ma maison, non, que tant que ça, moi, là, à quoi c'est livré le sous-souté, n'est-ce pas? Na misala o ngozo mona batinda ka ba finga ba politiciens ba finga ka batu et quand on le fait pas au comi diable au comi ndoki donc bolimbi sabango eza ya passe ya penzala ndezo se sabo misala bongo ndeko Trésor bonjour toyoki bakangi ndeko Didier Budimbu na aner est-ce que ça est solo bon toyote to benga ngoko kanga boko ngo bi ngo na elgato comment na dossier ngo wa to lobela ngo bonjour ndeko Trésor pourquoi mboka et comi na suka boye Kimoyi Besili Simboka énergie ya na master chef P na aner bonjour de contre soutien na union sacrée pembeni ya président Ezanini kaka koyiba mbongo ya l'état trésor eza passé bonjour de contre pourquoi histoire ya ba cacique ekosilate na mboka oyo ba jeune batangi classe ya pamba. Donc, il y a des questions qui sont en solo. Les gens se posent plus la question pour Moussa l'Union sacrée autour du chef de l'État. Oui, mais Moussa l'Union sacrée autour du chef de l'État, c'est d'abord lui-même le chef de l'État. Quand il a créé l'Union sacrée, et puis si Batou assurance, et puis si Batou espoir. Et quand on parle de l'Union sacrée, c'est toutes les forces vives, n'est-ce pas? Il y a la République qui prend part. La gestion est en boca. Mais après, nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. L'Union sacrée, mais Naïssa Lemeli, nous avions vu que la bah, politique, il y a une société civile et côté Pasni. Nous avions vu qu'il y a des politiques. Et puis, bah, définir ça qui réellement est mission, n'a pas objectif clair, il y a recréé l'Union sacrée. Il y a un monde bilinga et côté Bonakati. Et des deux,
tricherie et soukakaka na mabe. L'Union sacrée est composée de députés. Il y a parti et opposition, mais les députés sont dans l'Union sacrée. Et ça composé de parti. Président est dans parti dans l'Union sacrée, mais les députés sont dans l'opposition. Mais comment est-ce que vous avez dit? Donc, vous avez dit homosexuel, banakati, donc toute catégorie de gens. Parce qu'on ne peut pas avoir des élus qui ont été élus sur une liste d'un parti, dans le regroupement Songolo, parti dans le regroupement Songolo. Ça devient déjà un mariage moko, opposition, il y a sexe moko. C'est un monstre à plusieurs têtes. À plusieurs têtes. Donc on ne pouvait pas s'attendre. Il y en a tout depuis Bandeke, Union Sacrée Kobo Tambumate. Parce qu'une majorité ne bascule pas avec des élus, mais avec des partis politiques. Donc les partis politiques qui composaient l'opposition hier, ceux-là s'est décidé. Parce qu'il faut qu'on mange bien baboui. Tant qu'on bisonne bien notre vote. Tu votera par des individualités, tu votera par liste par parti. Tant qu'on vote par liste par parti, qu'il y a une assemblée qu'on a. Au bureau d'âge, parti wana et c'est déclaré. Baza soit y opposition, soit y a majorité, soit aussi non aligné. Ozo ba indépendant. Tant qu'on boponi, ils ont y a ba parti politique. C'est sur base de notre parti ils ont opposition, parti ils ont majorité. Mais l'Union sacrée a renversé pyramide. Donc comme il a ba député, il y a parti PPRD, PPRD est en opposition, mais député PPRD est en majorité. Ça ne s'explique pas. Et le bongo robot en bouma malamu ndenginin. Et ça le rôle sangi si graine, il y a orange, il y a citron, il y a nyonso che oké rolona. Ongyo botan zeteni. Et robot en zetete et kokufa. Et kokufa. Attache que mekine tie bimsama ba mitwe bele bele a promona e kokaka parce que marge à manœuvre est à serré coincé. C'est ce qui se passe avec l'Union sacrée. Donc au chef de l'État de prendre ses responsabilités à main parce que Oyoko Salemalelo, yende et zo sur ma tâche d'huile. Responsabilité. Prendre ses responsabilités à main. Prendre ses responsabilités à main, ça veut dire respecter les textes de la République. Qu'on reconnaître réellement qui a la majorité, qui n'a pas la majorité. Ceux qui ont mon qui était dans la majorité, à zone, c'est pas la majorité na bango, ba composé na bango, ba pour na bato malamu, ou ba tungamboka, ba salamboka. Parce que là, maintenant, de quoi jam. Ces députés-là qui ont quitté leur parti pour acquérir ma cassique. Mais au côté de l'Union sacrée, croyant qu'il y a comme un boulevard. Les mêmes caciques, balandi on a n'a kundulpe. Les lobes caciques, on a PPD, Balouman, Babouchab, on a un bougeman, un chef de l'État, Bamende, on a un union sacré, Babahati. Ils vont reprendre les mêmes méthodes de Basaraki, pas à Kabila et pas à Mobutu. Or, la plupart des jeunes, au Bakimaki, partis dans Bango, Bakantia Koto, Bakoutanam Pepasika, boulevard, ils ont ouvert, Bakoukako s'exprimer, Bakoukako va prendre sa responsabilité. Mais Bakoukoutouana, oh bah bien que balère à l'enfilé depuis bah botama bah tata na bango bah zo bah pose responsabilité dans boka oyo bango bah tango filé bango peut bah zui bangi bah tango si bah bango filé bah tambo la refilé balère la refilé balala la refilé balinga bah koka chômage té balandaka ka place pouvoir isa. Et Yangonde ici j'appelle au peuple congolais en tant qu'observateur de la société, ce sont des gens sanctionnés demain quand nous irons urne. Comment yo zaka na vision té? Est-ce que Mobutu a une vision mon na Kabila? Est-ce que Kabila a zappé la vision de Félix pour yo zaina Mobutu? Les lois sont au sein de Kabila. Les lois sont au sein de Félix. Le pays se développe sur base d'une vision. Et ce sont les individus qui portent la vision. Il y a un monde où il y a républicain, il y a centriste, il y a poto. Tant que le pouvoir n'est pas républicain, il y a centriste, il y a socialiste. Vendant la couenne, parce que vous avez la vision de mon côté. Toi, tu es socialiste. Lui, c'est un républicain. Vous n'avez pas les mêmes approches. Jusqu'au vous banal qu'on critique, convaincre le peuple que non, biso va socialiste, c'est un projet de société malin pour le développement Mboka. Bon, tout là-bas, pouvoir, bon, il y a repé, ça biso tout développé. Mais yo, est-ce la républicain, ou est-ce la société, ou est-ce la bango. Finalement, toi, tu n'as pas de vision. Toi, tu travailles pour ton ventre. Tu ne travailles pas pour le pays. Je vais te citer des cas. Mende, vision des arènes. Qu'est-ce que ça a passé? Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe pour les politiciens ventriotes. Mende est avec Mobutu. Mende est avec Kabila. Mende avec Tshisekedi aujourd'hui. Bahati. Il a marché avec toutes ces personnes-là. Bazé Bele. Mboso. Il a marché avec Mobutu. Avec Kabila. Aujourd'hui avec Tshisekedi. Vous voulez me dire que Félix a la même vision que Kabila? Aujourd'hui, Félix a zo bouinganane. Azo le lapon système anane. Système à Kabila te. Mais ce sont ces mêmes personnes. Alingé te aza Kabila c'était. Alingeti. Azaki na ministère, na primatire à Tshibalate.
Ce type là, si je ne me trompe pas, ce type là, c'était Samy Badiba. Alingé était dans le conseil, dans le collège à économie. Où a conseil été? Alingé était ici, dans le poste, comme ce commissaire au compte, si je ne me trompe pas, il a un poste là-bas. Allez-y à la poste, il a travaillé à ta critique. Il est fonctionnaire à l'État. Hein? Il est fonctionnaire à l'État. Pardon? Fonctionnaire à l'État. Fonctionnaire à l'État. Na primatif peut qu'on a zaika fonctionnaire. Conseiller politique, il y a cabinet politique. Est-ce que zaika ka fonctionnaire à l'État? Il y a fonctionnaire à l'État. Quand vous prenez Bahati au Sénat, Bahati c'est qui? Mboso à l'Assemblée nationale, Mboso c'est qui? Plus Mobile. Toutes les motions, toutes les questions, les stratégies du PPRD na sein Assemblée nationale, ça passait par Plus Mobile, non? C'était lui l'homme orchestre. Et c'est Plus Mobile aujourd'hui qui est aux affaires. C'est un kabiliste patenté. Qu'est-ce que vous voulez que... Comment vous voulez que les choses changent? Est-ce que ces individus-là, aujourd'hui, ils sont vraiment... Ils incarnent réellement la vision de Félix Tshisekedi. Pour avoir été aux côtés de Kabila pendant 18 ans. Est-ce que pour avoir été aux côtés de Mobutu ou des autres pendant 32 ans. Vous pensez que dans 4 ans, Félix Tshisekedi va se dire que tu vas pour système où il y a Mouzé. Pour système où et il y a Kabila les fils pour système wana il y a Mobutu et Malanzo na bango il a fallu vendre ça bango na se bazo attend ya autant à idéologie à Tshisekedi avant ben responsabiliser bango mais ils sont non c'est pas réunion ça crée même pas de touche. Mais écoutez, ce sont des partis politiques, il n'y a pas que Bahati dans FDC, il n'y a pas que Mende dans CCU, ils ont des membres, ils ont des cadres, ils peuvent responsabiliser aussi d'autres cadres, pourquoi seulement eux? Kabila nous a dit ici que s'il avait 15 collaborateurs sérieux, il allait développer ses pays. Bah, prouver ma limite, Nabango. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi regarder les autres faits? Vous pensez qu'il y a Sesenia qui mène à chaque proposition à poste, lui-même se propose. Vous pensez que na Afdesenia qui est Bahati. Vous pensez que na parti en Mboso, Nia qui est Mboso. Voilà. Des gens qui créent des partis politiques pour leur fin. Et non pour l'intérêt général, parce que si réellement c'était des gens qui luttaient pour un intérêt général, tant que Bassengio au côté de Nyon Sake, AFDC proposait non pour avoir été quand même aux affaires, nous avions échoué, te faire échouer peu d'offres, Nabiso à l'équité, n'a pas peine de Konani à gérer Nan Natal pour Nazo à temps, il y a que c'est rébobiné ou à plus de pour n'a pas ça quelque chose de nouveau. Vous avez fait échouer votre dauphin à l'équité pour qui copé sa président de nos bilanté. Et l'autre, il va faire quoi? Quel travail lui peut faire? Non, ici, il faudra dire, mon cher ami, que le vrai problème, ce n'est pas l'union sacrée. Le vrai problème, n'est-ce pas, c'est d'abord les individus. Ces individus-là... Est-ce que le président est pris en étau? Ces individus... Quelque part, oui. Quelque part, non. Oui, pourquoi? Parce que lui-même, il a ouvert un boulevard à ces gens. Oui, pourquoi? Parce que lui-même, il est le garant, le président de tous les Congolais. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit responsabiliser tous les Congolais. Il peut être en contact avec tous les Congolais, tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, pour avoir, comprendre comment est-ce qu'ils sont entrés, n'est-ce pas, d'envisager le développement de leur pays. Mais il n'est pas question de les responsabiliser. N'est-ce pas? Il y a un problème. Le vrai problème, c'est lui-même le chef de l'État. A mis côté ici na kati ya liboulumoko. Batouana, basi ba timbola ki liboulumu la ipo na Kabila. Mboka oyu. Félix a ya koti na liboulou. Ole Félix a ba na ko rambleye a mataka. A mimi bango baba continue ko tumbola, ko timbola. Et ce ko tali, tous ces détourneurs là. O ba yam bongo l'État. O ba zoiba, banane. Batoua karaka kati. Est-ce que l'absence de Vital Kamerhe se fait sentir au côté à Mokonza Mboka à son absence? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que après, quand il était là, il y avait quand même un petit sérieux dans le cabinet. On sentait que les gens étaient sérieux et qu'il y avait une petite discipline. Peut-être qu'on a la naissance, il y a l'union sacrée. Depuis qu'il est parti, nous apprenons de tout au sein de l'union sacrée. Ça se raconte de part et d'autre. Et je pense qu'il y a eu quand même un vide qui s'est fait sentir. Des deux, vous savez, de tous les dircabs qui ont remplacé Kamerhe, personne n'a carrure à Kamerhe, n'a charisme à Kamerhe. Et personne n'a poids politique à Kamerhe. Et c'est tout à fait normal que Vital ait se faire sentir. Parce que Vital, ce n'était pas d'abord un dircab, c'était d'abord un allié du chef de l'État. Et un président d'un grand regroupement politique. Mais aussi un expérimenté qui a assumé autant de postes dans ces pays.
à ne pas comparer avec Eberhans, à ne pas comparer avec Guilherme Nyembo. Ce sont des gens qui viennent à peine d'arriver, qu'on a responsabilisés, que je ne vois pas qu'ils puissent avoir la même autorité qu'avait Vital sur Villiers Chimanga, par exemple. La même autorité qu'avait Vital sur Chilumba, par exemple. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils ont mis tout au côté de Tien Tshisekedi pendant qu'eux, ils étaient de l'autre côté et qu'ils ils connaissent quand même quelque chose de la politique et qu'ils étaient en train d'apprendre au sommet. Donc, tout ça, ça a créé un petit désordre qui a fait sentir, n'est-ce pas, l'absence de Vital Kamerhe. Mais il est temps, rien n'est tard au chef de l'État de se relever de ses profonds sommeils, de responsabiliser les bonnes personnes parce que les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, la majorité, ont été avec Kabila. Mais ils n'ont pas pu donner à Kabila un bilan. Et aujourd'hui, Zui est en otage. Et ils pensent qu'il n'est pas payé sa bilan? Question mark. Ah, Kobima, ceux qui va quitter Kamerhe, tout canis, ceux qui va quitter Kamerhe, n'a pas de temps à faire une union sacrée. Tout canis, 30 secondes. Bahati. Pour quelle raison? Parce que tant que Kamerhe est en prison, na Kivu, kuna va le président Kikoyate, nous est botam na Kivu. Bahati a kendaka avant comme éclairer pour amobiliser pour un chef de l'État. Et bah qui vous sert un outil Bukavuti. Et Bélé, bah Kangela, Bahati Kanda. Bah mon année, comment mon qu'on a bien dans la prison, mais yo Ozuya. Et pour Bahati, c'est aussi un couloir. C'était les seuls leaders. Ça, j'analyse. Je ne dis pas que j'affirme. Je suis en train d'analyser à haute voix. C'était les seuls leaders du grand Kivu qui pouvaient, n'est-ce pas, vendre les chefs de l'État dans le contrée Wana. Parce que pour eux, c'était une trahison. Bah Kangi, c'est l'un d'eux. L'un des grands leaders qui était Kamerhe. Et eux, conséquence logique, Bahati a été porté dans le Sénat. Bahati s'est retrouvé autour d'un cercle, chef de l'État, en absence de Kamerhe. Or, quand Kamerhe était là, Bahati a été un peu pémbénisé. Donc, aux zones à Kamerhe, il faudrait dire qu'il y aura aussi un règlement politique des comptes. Kamerhe ne voudra pas perdre son terrain. Alors, il fallait que sa chef de l'État, que je contrôle encore les terrains, c'est moi qui peux te donner les terrains. Or, Nazamba, Nazamba Balion, Nazamba Balion, Bazarmi Balete. Nazamba, mon conseil, a changé Moka. Le lien a grand Moko. Donc, c'est tout à fait normal. Oka, Nungu, et Bandaru, Bota Manakati à AFDC, Pénagnon Sacré. Et les perdants, ça sera Bahati. Mais maintenant, conséquence, Azaki perdait pas Kabila, Abimi, Aleli, Leli. Bah, dupliquer, et bah, doubler parti Naï. Awa, juste Awa, je t'informe que AFDC a nous nous amakas. Adel Kain, Azoa sou par na ba réunion AFDC AT. Donc, ils ont AFDC a ma responsabilité à mon. Eh, Ayaka sou sou réunion, ba ministre sou bayarat. Yaka sou réunion te, yé a kenda sou makamwana te, pona dicta. Parce que, elle pense que, ministre Sengeli, Asam sa na ye, na kimia nyonso. Et puis, dire kap sou dire kaba na zaouna. De quoi bahat? Et il semble que ça là bon le ministère ils sont moi si on a le bité et que simbaté ngana bimina makambo moi je vais faire ma ligne ayaka réunion batité n'échange des vœux batité ça ça qui a cité ba ministère ils sont sauf Adel Kaïnda donc ngiko ba déjà que ko vana na union sacrée to kolongwa na ye na union sacrée AFDCA et ko tikala toujours et il va vivre le même scénario où il vivait qui na bahana Kabila mais simplement au chef de l'État de ne pas suivre ce chemin là pourquoi parce que lui quand il était dans l'opposition avec son parti, il a vu son parti être, n'est-ce pas, émietté et puis dédoublé plusieurs fois et a condamné Kango. Et lui n'a plus intérêt il y a côté qu'à bateau basa qu'au doublé va partir à bateau pour bateau va regroupement bateau songi ko longwa ça les loko nayo kenen les loko nayo. Bonjour Ndeko Trésor, oyo tozali komona na RDC eza loko la tozo vivre l'ifelo déjà pour Ezo zala li sousou pasite to mesani deja. Ndeko Trezor, yebisa ndeko gotye boye. Azala la kaka mayele na kiserie kaka bongo eza bien. Makasi, c'est John Telo. Merci Ndeko John Telo. Bonjour, bonjour plateau de vérité. Je vous suis en direct sur YouTube. L'émission est vraiment au top. Cecilia Kaseka. De côté, c'est comme pratiquement la souka et mission à biso tout ce qu'à moi 5 minutes au fond des alliés au fond de vos engagés l'idée boudimbo nous et les bosson à l'air et bien n'est pas trop au banc à son mouta et bien à casse et mouta qu'il n'y a n'est pas aux ongles à l'air cause à temps aux 8 à mon arabe 20 heures aux ongles mandat François Béaval la qui s'est trouvé dans ma cala de boudimbo à l'air nous et l'objet à l'air à l'action à l'exemple à l'air bateau à zo banga. De l'autre côté,
difficulté à carburer zana no kaka ba to balobi les solo moko makamba carburant mboko moko ba pétroler zo mona te mais jusque là il y a pas encore une communication officielle. Bon, il faut oui, Didier Boudimbo a passé sa première nuit à Aner. Il n'y a pas encore une communication officielle qu'on vient de dire. Maintenant qu'il va penser ça en autre, mais qui moi qu'au Landelatoye, bah, il s'agit de quoi? Ici, on rappelle d'abord qu'il y a une note, il y a ancien conseiller spécial. Bon, il est toujours pour la remplacer. Conseiller spécial François Béa, Oyo Abengaka Neko Boudimbo, sur Mbongo Moko, Zaki Kopé, ça ne veut pas pétrolier d'une manière indue. Et que Neko Boudimbo a s'embarqué pour la Kambouana. Après, na kanisa kamwana et ba classa kamu. Mais nazar yoka c'est comme si dossier wana il y a 240 millions en débat la musi le sous na année. Et d'autre part, ba ko lobela pe makambu ya délégué, il y a ba pétrolier azaki interlocuteur ba pétrolier vis-à-vis du gouvernement au ba suspenda. Donc il y a quand même beaucoup de dossiers, on ne sait pas encore bien, on n'est pas encore bien clarifié sur ça, je me réserve. Mais après émission, na Rolande en côté na Mozindo. Netiknews.net pour plus d'informations à solo na oyeti ko mais jusque là je suis en train d'enquêter mais déjà le fait que là ça y est c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des indices assez sérieux ou bien les enquêtes continuent mais pour un ministre en fonction les enquêtes continuent par contre quand il y a pas nena Kinshasa et que ça là pour un ministre en fonction que là ça y est bongo je pense que c'est vraiment sérieux parce que si aujourd'hui c'est l'année la section nango ya économie autre ne comme contrat ça doit pas gêner l'IGF. Bon, ça ne doit pas gêner l'IGF non plus hein. L'année a fait son travail, c'est un service. Non, mais ce que le dit qui va inviter quand est déjà donc c'est un vieux dossier ou peut-être l'IGF a encore à brandir est-ce que côté qu'on a l'IGF n'arrive pas. C'est voilà pourquoi ici j'étais en train de dire que les pièces de l'IGF posent problème. Vous voyez, les pièces de l'IGF posent. Et Aner a qu'au Kangayo attaque sur base de rumeur. Okay. L'État a mené banquette. Okay. La monité place n'est qu'au déranger Moussala IGF. Et ça, service d'intelligence. Ce qui a un nungu, un document, tout bas rumeur, son gros par là. La monité est un peu sérieux. Il peut interpeller quelqu'un à Yokaye, mais il n'est nullement l'arrestation. Parce que Aner a Kangaraté, il y a auditionnaka en détention. Ce qui au Kanga a occupé, ça est-ce qu'on a. Juge naïe naturel, bon transféré soit dans ma case, soit pour Tikaye, il ressemble devant juge naïe. Mais déjà pour Aner, Alal, ça un ministre en fonction, et il y a un indice sérieux, et ça, dans le dossier. Et tout le monde est là, on a un Ndeko Trésor, félicitations à Ndeko Gauthier, mais il y a un que batu wana nyoso azotanga bazalaka votete bazalaka na ba machine a voler na banda kuna bango ah ndeko na ngai non mais ce qu'il dit c'est vrai. Netic News a publié article moko avec près de 170 caciques et anciens régimes oyo ba mitila plus de 5000 voix avant l'élection baskanango na ba serveur ya seni j'ai publié même les documents. Article on a beta tangwa na mboka o ce qui dit j'en connais quelque chose il y a un début sur ce photo zalasiko ba sentinelle dès l'enrôlement qui non a vote à une congomani ba che bureau de vote na quartier na fongo la misu talana nzo ke ne ko s'enrôler nani nzo ke ne ko s'enrôler nani nzo bi mana bureau de vote poyeba réellement nani il faut à voter nani il faut pas à voter. Merci Gauthier Sey, merci na bande ko nyoso bola na kibiso na kinchasa pempe partout. Merci na bande ko bola na kibiso belé na YouTube. Bo s'abonner belé na chaîne YouTube na biso mais aussi bo zalara toujours en ligne pour na kolanda basango na netiknews.net. .net na netiknews.net. Netiknews TV pe YouTube pe. Na netiknews TV za YouTube ke pe kuna bo s'abonner belé wana zali contribution. Le tout ça qui tourne à tout senga tant que tout senga TV comme boya roule à tout foutu si nous sommes bons donc tout ça le côté tout les binons bons des fois n'est ma politique mais au moins beau tanga information éthique news.net vous s'abonner à éthique news n'a plutôt la éthique ou à YouTube bosser bouquet vous s'abonner à plateau de vérité d'exercice facile au bruit pour ça merci l'équipe technique Mobima Clovis Odinga Maurice Gigandou Jus Bongeli merci la binon sur Blanda qui biso au fond à tout ce qu'à tout fond à l'eau pour. Au fond d'un lobby, ça ressource la semaine.